par rapport à cet événement qui a été organisé par les travailleurs du SPT, le syndicat des professionnels du transport. Taxi Yangafa, Yagaya Yangafa, Aftu Yangafa, tous les secteurs du transport, à savoir les Karindjaga Ndiaye, les taxis, les bus Tata de Aftu, les minibus, je peux dire, parce que d'ici les minibus jusqu'à Touba, jusqu'à Ziguinchor et partout au Sénégal où il y a un minibus, le syndicat là est un syndicat qui englobe tout le monde. Ils m'ont invité à participer à un débat qu'ils ont organisé par rapport à la sécurité routière et par rapport aux nombreux accidents qui font la une de chaque jour ici au Sénégal. Il faut dire tout de suite que les responsabilités sont partagées. Il y a les responsabilités de l'État. Il y a un laxisme énorme de la part de l'État, parce que quand on veut sécuriser un travailleur qui travaille dans le secteur du transport, lui assurer un contrat, lui assurer un reversement au niveau de l'IPRES, lui assurer la sécurité sociale, lui assurer une couverture médicale, lui assurer qu'il a un salaire permanent qui lui permet de ne pas transgresser les dispositions du code de la route, ça fait partie du rôle de l'État, en surveillant les employeurs pour que ces employeurs-là respectent le code du travail. L'autre responsabilité de l'État, c'est qu'il faut créer les conditions sécuritaires, à savoir un personnel de sécurité énorme, un personnel de sécurité qui puisse servir sans dysfonctionnement, servir quand il n'y a pas, quand il n'y a pas le respect du code du travail, du code de la route. Regardez, quand quelqu'un prend un véhicule de transport, l'amène au niveau du contrôle technique, qu'est-ce que l'on regarde? On ne regarde même pas l'état physique de l'entreprise, l'état du véhicule. On ne regarde même pas l'état matériel du véhicule. Et on donne le quitus parce que le véhicule est normal. J'ai appris que maintenant le véhicule, on n'accepte pas les véhicules de moins de 5 ans. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'employeur. Aujourd'hui, quand l'employeur se permet de refuser un contrat à un travailleur tel que Aftu ou ailleurs, il lui dit, je te donnerai une plus-value selon ta recette de versement, ta recette journalière. Mais c'est ce qui entraîne les courses entre les véhicules, les mêmes véhicules Tata, vous voyez les courses, c'est pour avoir plus de versements et avoir des miettes de 1000 francs ou de 1500 francs pour rentrer, en hypothéquant la sécurité du client, la sécurité de ce transporteur-là, de ce chauffeur-là. L'autre fait est que ce sont les employeurs, les transporteurs de Aftu qui utilisent le chauffeur de 5h du matin ou 4h du matin à 20h, 21h ou 22h. Ce qui fait plus de 72 heures par jour. Quel est le robot qui puisse le faire? Un robot ne peut même pas le faire. On l'impose aux travailleurs de Aftu. On l'impose aux taximans. On l'impose aux travailleurs de Ndiaga Ndiaye. Et en retour, il n'a rien. Ni contrat, ni versement sécurité, ni versement IPRES. Avec un salaire qui ne répond pas aux normes des lois sociales au Sénégal. Et qu'a fait l'État? L'État doit superviser ses employeurs pour qu'ils respectent les normes d'employabilité des agents. Voilà pourquoi toute la responsabilité est partagée par rapport aux nombreux accidents.